sardine de ce don aurait détourné le museau devant un détritus de ce genre. Ben, c'est de la nourriture, non? Ce n'est pas très juste pour les animaux plus faibles que toi, qui auraient été bien heureux de faire un bon petit repas. Bon, très bien. Je t'en laisse un peu. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bon, si tu le présentes de cette façon... Tu prends des risques, mon petit bonhomme. Mais pourquoi tu dis ça? Tu t'aventures par ici en plein jour. Dis-moi tout, tu n'as pas peur des humains? Quels humains? Tu peux rire, mais tu pourrais le regretter. Arrête, c'est grotesque. Et viens plutôt manger. Je viendrai, mais seulement quand tu seras parti. Ah, je vois, on n'est jamais trop prudent, hein? Ce petit renard se prépare une mauvaise surprise, plus vite qu'il ne le croit, le pauvre. Je te veux pas de mal. C'est ton terrier, peut-être. Excuse-moi. Je ne t'ai encore jamais vu par ici, n'est-ce pas? Je viens d'arriver, guidé par mon flair. Oh, à cause des faisans. Oui, beaucoup de renards viennent par ici, mais aucun d'eux ne reste. Et pourquoi? Ah, ils se lassent du goût, je parie. Les humains les tuent. Ils veulent garder les faisans rien que pour eux. Moi, je suis sûr qu'ils peuvent partager. Tiens, c'est pour toi. Ça te changera de l'ordinaire. Merci. Oh, ben, y en a encore beaucoup par là. Fais attention à toi. J'avais dit. Oui, ben moi je refuse de vivre dans la peur des humains ou des bêtes. Il n'y a pas de raison. Et voilà, je suis un renard. Je suis libre et j'en suis fier. Le petit renard croyait avoir laissé ses problèmes loin derrière lui, dans le parc du Daim Blanc, où ses amis vivaient toujours dans l'angoisse. Ah, au secours! Hé! Laissez-la, c'est ma femme! J'aurais dû lui régler son compte il y a longtemps. Les lièvres n'étaient pas sur notre territoire. Il avait le droit de les attaquer. Il a fait ça pour nous humilier. Ah, oh, ça! Il faut reconnaître qu'il a l'humiliation facile. S'il devait faire carrière dans l'humiliation, il aurait droit à une médaille. Nous n'avons aucune preuve. Mais ce qui doit être fait, doit être fait. En tout cas, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais repartir avec ma famille pour le bois de 4 sous. C'est la seule solution.
Il faut régler le problème de ce balafré. Je dirais même plus, il faut régler le problème de ce balafré. Le pacte est plus important que jamais aujourd'hui. Tout le monde te regarde, Renard. Oui, mais il faut surtout éviter de déclencher une guerre entre les renards bleus et ceux des quatre sous. Celui qui vit par les crocs périra par les crocs. Ah bon? Alors si j'ai bien compris, il a tué Rêveuse en espérant que personne ne pourrait le soupçonner. Il va donc falloir que je l'élimine de la même façon. Oui, c'est ce que je viens de dire. Tout le monde a parfaitement compris le message, vieille buse. Elle ferait bien de se marier. Ça lui remettrait les idées en place. Oh, elle devrait se marier. Oui. Ce qu'elle peut faire comme chichi, celle-là. Oh oui, des chichis. Oui, je sais, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. En fait, je n'ai jamais trouvé quelqu'un digne de moi. Oh, ça ne m'étonne pas. Oh non, ça ne m'étonne pas non plus. Un petit peu de silence. Bien, qui parmi nous peut tuer sournoisement? Ah, Vipère. Oh, cette belette finira par me tuer avant l'âge. C'est possible, mais cette fois, elle a raison. Est-ce que vous savez tous les deux où elle passe la majorité du temps? Alors, vous voulez vous rendre utile? Prouver que vous êtes vraiment des nôtres? Parfait. Vous allez transmettre un message à Vipère. Dites-lui, Renard a dit, celui qui me débarrasserait du balafré me rendrait un très grand service. C'est compris? Compris! Laisse tomber! Mais laisse tomber toi-même! Dépêchez-vous d'y aller! Tu n'as jamais été sournois jusqu'ici. J'espère que tu ne le regrettes pas.